Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous ce soleil radieux. Et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité. Vraiment, les conditions de jeu sont parfaites aujourd'hui pour cette affiche que vous attendiez tant. Vous le voyez sans doute, les tribunes sont pleines, la météo donne le sourire aux spectateurs. Pour nous que ça dure, allez, tout est réuni pour qu'on vive un beau moment ensemble. C'est en 1892 que le Celtic a disputé ici son premier match. Ce Celtic Park avait sans doute un look très différent à l'époque, mais l'ambiance, elle, reste au sommet. Darren, ça devrait ressembler à un 3-5-2. Que pensez-vous de ce schéma tactique? Bon, je pense que dans ce système, il faut se concentrer sur la défense à 3. C'est gérable uniquement si vous avez les bons défenseurs. Pour bien construire, il faut qu'ils aient une certaine qualité de relance. Et il est surtout important qu'ils communiquent bien entre eux et sachent parfaitement se placer. Sinon, ça devient vite compliqué. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Le Celtic qui cherche l'étincelle en retrait pour repartir proprement. Il joue long. C'est repoussé. Bien joué. Ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Ça joue long. Bon, c'est bien joué. La longue passe, il peut en profiter. Comme ça peut. Un long ballon vers l'avant. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Long ballon dans le sens du jeu. Il tire. Le poteau. Tenté, bien joué. C'est centré dans l'axe. Et le danger est écarté. C'est récupéré. Brown qui écarte le jeu. Il décide d'allonger le jeu. Voilà une bonne occasion de contre. Bonne intervention. Il allonge vers l'avant. Il tire. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Bien, ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, mais attention, il reste encore du temps à jouer. Hamilton Academical. Qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai, on le voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Et dans quel but, à votre avis, Darren? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc, parce que c'est quand même très compact en face. Griffiths, ça passera sur le côté. Brown qui cherche à construire. Le jeu repart vers la droite. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Le bon ballon, la bonne interception. Ça va sur l'aile. Le centre. Un peu d'oxygène pour sa défense. Quelle inspiration! Oh,
dans ce jeu de passe, quel régal. Et pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Il n'a pas pu se retourner face au but, quel dommage. C'est dégagé, très loin. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. James Forrest. Quelle passe. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça va aller jusqu'au bout. Jouer court à deux. Ça joue long vers l'avant. Et c'est récupéré encore une fois. Il dégage. James Forrest. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'est bien joué. Bonne intervention. La longue passe. Quel timing dans l'interception. Sur la gauche. Ça joue bien à côté gauche. Il faut insister. Centre détourné. Bien, bonne intervention. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent leur avantage. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. Le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Le ballon dans la profondeur. Un peu d'air pour la défense. Quelle solidité. Ça doit frapper, c'est dangereux. Oh, mais quelle parade. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Et la défense qui s'offre un répit. Bon service dans la profondeur. Il est parti en direction du but adverse. Ça sent la frappe. Il relance côté droit. Oh, c'est chaud. La bonne passe. Griffiths. Peut y aller. Ah, c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ouh, quelle occasion. Le
Celtic qui mène toujours 1-0. Il a stoppé l'attaque adverse. C'est joué long. C'est joué long. Il tente de la jouer dans. Il prend sa chance. Aucun danger pour le gardien. Long ballon dans le sens du jeu. Et il perd l'équilibre. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Allez, l'heure n'est plus au calcul. Indeed, Grégoire. Indeed, en effet. S'il le trouve, bonne interception, il y avait danger. Dégagement du gardien. Un long ballon vers l'avant. Il frappe au but. Oh, quelle parade! L'arrêt splendide. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. Il décide d'allonger le jeu. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? Quand on a autant d'occasions, on n'a pas le droit de mener qu'un zéro. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. C'est bien donné. Il est bien placé. Et oui, faute. Coup franc. Et évidemment, c'est carton jaune. C'est joué. Frappe! La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Et ils essaient de repartir de derrière. James Forrest. Ça joue long vers l'avant. Ça manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Une poignée de secondes seulement. La victoire leur tend les bras. C'est joué long, c'est dangereux. L'ouverture lumineuse. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. L'arbitre signale une faute. Alors, ce sera un coup franc à la limite de la surface. Ah, c'est dommage de canceller ce coup franc dangereux en fin de match. Espérons qu'il ne le paye pas trop cher. Directement. C'est magnifique. C'est exceptionnel.
C'est un but phénoménal. Yes, 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 yes. Ils ont pris des risques, ils sont récompensés, que c'est beau. Et cette trajectoire qu'il a trouvée, la classe. Waouh, c'est une frappe fantastique. Qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance. Et voilà, ils reviennent à la hauteur de leurs adversaires dans les dernières minutes. James Forrest. Allez, il faut aller chercher les résultats, c'est bientôt fini. Il faut vraiment se réveiller. On vit là les derniers instants de cette rencontre. James Forrest. Ça passera sur le côté, il la remet. Il joue en retrait. C'est plutôt intelligent. Ça, c'est une interception parfaite. Le coup de sifflet final, le match est terminé. Ils se sont neutralisés aujourd'hui, mais on a vu quand même de très belles choses sur cette pelouse à l'arrivée, match nul. Alors dites-moi, dites-nous Darren, ce que vous avez pensé de ce match.